Wesh les potes, c'est Soutrash et on se retrouve aujourd'hui pour un noob VS Pro. Et regardez, je suis avec qui? Je suis avec Sonic et Billy. Salut les gars. Wouhou, coucou papa. Ça va, vous allez bien? Ah oui. Ah bah écoutez, aujourd'hui les gars, nous aurons 10 minutes pour construire un sous-marin de la mort, ok? C'est un sous-marin, c'est quoi, papa? Bah, c'est un sous-marin, Billy, c'est ce qui va tout au fond de l'eau, tu vois. Waouh! Moi, je vais aller dans un sous-marin, papa. Bah, écoute, on verra, et à Sonic avec nous, on verra qui va gagner. Regardez le nouveau décor. Franchement, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est vachement trop stylé. Mais aujourd'hui, c'est moi qui va gagner. C'est toi? Oui, c'est moi. Pourquoi? Bah écoute, déjà toi tu vas aller dans les noobs, alors tu vas appuyer sur le bouton, Billy. Non, j'ai pas envie. Allez, allez. Hop là, regardez, il est dans les noobs. Toi Sonic, mais tu vas aller dans le hacker. Allez, mets-toi dans le hacker, Sonic. Allez. Hop là, il a été téléporté. Moi je vais aller dans le pro, les amis. Voilà, c'est parti. Je vais dès maintenant mettre un chrono de 10 minutes. 3, 2, 1, bim. Le chrono est lancé les potes, c'est parti. Allez, bon, moi je vais directement commencer à faire un sous-marin, d'accord. Oh, par contre, avec le pack de textures, bonne chance pour se retrouver. Ah oui. Comment je vais faire? Ok. Tu bon. Vas faire quoi comme sous-marin, papa? Bah écoute, moi Billy, je vais pas faire un grand sous-marin de la mort non plus, tu vois. Parce que j'ai peur d'avoir de ne pas avoir assez de temps. Ah. Tu vois, du coup ce que je vais faire c'est que je vais partir sur un sous-marin petit. Voilà, on va prendre alors attendez, bloc de fer, bloc. Parce que les potes, avec ce pack de texture, je ne vois, je ne reconnais absolument rien. Ok. Ah bah moi non plus papa. Ah bon, toi aussi? Ça rajoute de la difficulté papa. Oh, c'est vrai, ça rajoute pas mal de difficultés. C'est parti, alors comment je vais bien pouvoir faire ce sous-marin? À part ça, comme ça les potes, on va essayer d'en faire un plutôt stylé. Du coup, voilà, on va essayer d'en faire un pas trop grand non plus, pas trop petit. Moi non plus, papa, j'essaye de faire quelque chose de raisonnable. De raisonnable, d'accord. Et toi, Sonic, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que Sonic, on l'a pas entendu depuis le début, je sais pas trop ce qu'il fait. Sonic? Il se concentre. Ah, il se concentre, d'accord, ah oui, ok. Pourquoi pas? ok, bon là pour l'instant mon sous-marin il ressemble à peu près à quelque chose. Bon, pour l'instant je dis bien. Hop, hop, hop. Alors comment on va faire? Alors dans un sous-marin, qu'est-ce qu'on a? Sur les côtés, on a deux hélices qui nous permettent d'aller assez vite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des hélices. Comment faire des hélices? Bah, ouais, je pense, non? C'est vrai ça? Bah, je sais pas, normalement, non, je sais plus. Ah, ok. Ouais, voilà, du coup, on va faire des trucs comme ça. Oh, mon Dieu, mon sous-marin. Mon Dieu, mon sous-marin, qu'est-ce, à quoi il va ressembler? Oh là 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 là. Papa. Quoi? J'ai une blague. Oh, Billy, tes blagues, ils me font peur. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui est grand, qui a des hélices et qui fait plouf? Qu'est-ce qui est grand, qui a des hélices et qui fait plouf? Un avion? Oh! Raté! Oh. C'est un sous-marin! C'est un sous-marin, d'accord! Ok, bah. Oh, trop bien, Billy, ta blague! Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse! Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de lui, les potes? Bon, là pour l'instant, mon sous-marin. Voilà, il est un petit peu moche, on va pas se mentir qu'il est vraiment vachement moche même. Il est Grinch, papa. Ouais, pour le coup, mon sous-marin, il est vachement Grinch. Bon, du côté de Billy, ça va. Et du côté du... Ouais. What? Je sais pas trop ce qu'il est en train de faire, Sonic. Bon, bah allez, c'est pas grave. On va faire comme si on avait rien vu. Alors, on va placer aussi des petites échelles. Parce que oui, les potes, pour rentrer dans un sous-marin, il nous faut des petites échelles. Là, on rentre. Ah, oui. Et on arrive à l'intérieur. Maintenant, on va faire le cockpit. Tout ce qui se passe à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, on va mettre un beau petit canapé. Parce qu'il faut quand même rester à l'aise, hein. T'en penses quoi, toi? Ah ouais? Ah non, moi, je mets pas de canapé, papa. Ah bon? Et tu mets quoi, alors? Bah, mais papa, il flotte quand même. Oh, mais... Après, les amis, je suis en train de parler avec Billy. Non. Billy, il est tellement bête aussi qu'il comprend rien à ce que je lui dis. Tu sais pas où on se trouve? C'est dans quelle catégorie où il y a les coussins qu'on met par terre, là? Ah!
C'est dans DecoCraft, papa. Dans DecoCraft. Bon, je ne sais plus c'est lequel, mais je suis en train de perdre du temps. Il reste 6 minutes. C'est à cause de toi, ça. Mais tu es méchant, papa. C'est toi qui es trop méchant, là. Attendez, on va mettre ça là. On va mettre une petite décoration quand même pour qu'on puisse bien voir le monde. Non, en fin de compte, non. On va pas mettre ça là parce que on casse. Du coup, on va mettre ça là. Ah bah non, on peut pas. On ne peut pas. Ah. Qu'est-ce que quoi? Ah hein? C'est quoi? Hein? Ah, Billy, me dis pas que t'as utilisé World Digit quand même. Non. Billy. Papa. T'as pas utilisé World Digit? Non. Ouais, allez, c'est ça, ouais. Bon, c'est quoi? Je te laisse le bénéfice du doute. Par contre, j'ai un petit problème avec ça, les potes. J'arrive pas à mettre les bouteilles de gaz. Bon, c'est quoi? On va les mettre là. On va mettre là les bouteilles de gaz. Les bouteilles d'oxygène, plutôt. Voilà. Ces petites bouteilles d'oxygène. Ouais, bon, j'ai fait un sous-marin, ma foi, qui est assez moche, je trouve. On va pas se mentir qu'il est pas très beau. Voilà, après, notez-le dans les commentaires, il est pas fini pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il est quand même bien moche, hein. Oh, en même temps, je sais pas trop qu'est-ce que je peux mettre. Genre, y a pas des trucs pour mettre des hélices ou quoi? Oh. Billy! Qu'est-ce que je peux faire? Oh, je vais mettre ça, comme ça, oui. Parce que les potes, dans les profondeurs de l'océan, il fait super sombre. Du coup, c'est très important de mettre de l'éclairage pour qu'on puisse bien voir. Oh, merci pour l'idée, papa. Hey, t'as pas le droit de recopier mon idée. Bah, pourquoi pas? Bah, parce que t'as pas le droit. Bon. Voilà. Ok, voilà. On va mettre... Oh, on va mettre... What? Oh, mais je savais pas qu'il y avait tout ça maintenant. Bah oui, papa, t'es trop bête. Mais tu... Waouh. Mais attends, mais les amis, je savais pas qu'il y avait tout ça dans... Wouah! Attends, c'était plus quoi y'a ça? Bélé, tu m'avais pas dit! Mais... Wouah, tricheur! Oh là là, les amis, ils m'avaient même pas dit qu'il y avait tout ça, d'accord, ok. Bon, il y avait plein de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Du coup, ici, on va mettre ça. Voilà, on va essayer de mettre quelques petites choses. Pour qu'on puisse quand même survivre à l'intérieur, parce que voilà, quoi. Des toilettes, des toilettes. Oui. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre, Billy? Waouh, mais je savais pas qu'on pouvait mettre tout ça. Oh, une cloche. Sérieux? Non. Bah oui. Une cloche. Oh, oui. Les amis, on a des cloches. On a clairement des cloches. Mais papa, c'est toi la cloche. Mais toi, Billy, toi, t'es un roux. Donc, du coup, si on te met sur un vélo, ça te fait une roue en plus. Mais... Mais non, ça va, je rigole, oh là là. Je rigole, oh là là, on peut plus rigoler. Oh là là, sérieux. Bon, hop là, super. Voilà, bon, vous savez quoi, je vais aménager un petit peu plus le sous-marin de l'intérieur. On va même changer le sol, parce que le sol, les amis, je trouve qu'il est quand même vachement moche. Surtout qu'il nous reste un peu de temps devant nous, donc on va faire un petit truc. On va mettre un petit truc un petit peu plus clair, je trouve. Genre laine gris clair. Voilà, ça, je pense que ça, c'est quand même beaucoup plus esthétique, on va dire. Hop là, hop. En tout cas, on verra qui va gagner. T'as fait quoi aujourd'hui, papa? Bah, rien de spécial, Billy. Je suis parti faire les cours, c'est tout. Et toi, t'as fait quoi? Ah, bah, moi, j'ai joué à la console, papa. À la console, d'accord. Ok, c'était bien la console aujourd'hui? Ah, bah, oui. Ok, bah, c'est cool, ça. C'est cool, c'est cool. Ah, c'est bon, j'ai compris, hein. Oh là là. Ah, bah, oui. Oh là, par contre, les amis, il y a tellement de choses que je ne sais pas quoi mettre. Voilà, je vous dis la vérité, que je ne sais absolument pas quoi mettre. Moi non plus, papa, je suis perdu. T'es perdu? Ok, c'est quoi? Je vais mettre une table. Et dans cette table-là, on va mettre full nourriture. Vu que j'ai plus rien d'autre à mettre, on va mettre plein de nourriture. Regardez toute la nourriture qu'on a ici. Oh, waouh, je ne savais pas. Regardez, waouh, les potes, on a ça. En fait, c'est que des petits déjeuners. Ça, ça et ça. Waouh, on a des beaux plats, les potes. C'est tellement bien. Et on peut même mettre un effet de chaleur. Genre... Ah non, même pas. Ah! Bon, les potes, j'ai fait n'importe quoi. Je suis désolé, je fais absolument n'importe quoi. Ok, bon, je pense que mon sous-marin est quasiment fini. Voilà, j'espère que... Bah oui, Billy, quand même. Ça fait quand même 10 minutes. Comment t'as fait, papa? Bah écoute, j'ai beaucoup travaillé. Pas comme toi. Oh, mais
Voilà. Je ramène des bonnes notes à l'école, papa. Tu ramènes quoi, t'as dit? Des bonnes notes dit, papa. Ouais, c'est ça, ouais, bah dis rien, ouais. C'est mieux, parce que des bonnes notes, c'est clairement pas toi qui en ramène, hein. C'est plus... c'est qui, alors? C'est Eva qui ramène des bonnes notes. Mais Eva, tu sais ce qu'elle fait au moins à l'école, Eva? Elle fait quoi? Ah bah, elle fait... Elle dit des ragondins à ses amis sur moi. Ah papa. Bon? Oui. Ah bah, elle a raison, vu comment t'es, tu fais trop tellement de bêtises, toi. Mais... Voilà, t'as... Voilà, et attention, les pâtes, ça se finit dans 30 secondes. Je ne sais pas ce que mon sous-marin... Attendez, on va essayer de mettre un peu d'eau, quand même. Mais bon, l'eau, voilà, quoi, ça sert un peu à rien, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est juste pour faire genre. Par contre, Billy, quand tu commences à siffler... Oh attends, Billy Billy, t'as pas fait de World Digit? Oh non. Non, t'es sûr? Ah, je vois pas ce que tu veux dire, papa. Oh, les amis, Billy, il triche, j'en suis persuadé. Oh, mais comment il a pu faire ça, papa? Y'a qu'avec World Edit que tu fais ça. Et aussi, non. Sonic aussi triche. Oh, alors, vous deux... Oh. Ah bah, attendez, c'est fini. Le chrono est fini. Hop là, c'est fini. Par contre, vous deux là, vous allez avoir un point en moins chacun. Bon, on commence par le mien. Venez, venez, venez. Bon, d'accord. On commence par le mien, Sonic, il est là. Billy, t'es où? Mais là, ah bah, ok, t'es là, ok, oh. Ok. Voilà. Mais quoi? Mais il est totalement moche, papa. Bah attends, c'est un sous-marin, t'es bête ou t'es bête? Regarde, tu mais montes. Mais tu... un sous-marin, il y a pas de pigeons, papa. Mais non, mais là, vu qu'on est à l'extérieur, il y a des pigeons, t'es bête ou quoi? Faut le mettre à l'eau, le sous-marin. Ah oui, d'accord. Ok, et là, tu rentres par là, regarde. Waouh. Wow. Waouh. T'as vu? Oh, arrête de manger, mais arrêtez! Mais qu'est-ce que vous faites là-haut? C'est pas bon, papa. Mais t'es sérieux? Regarde, y a même des bouteilles d'oxygène et tout. Hein? Bah oui. Mais et du coup, vous mettez la note de combien, les gars? Je sais pas. La note de 7 sur 10. 7 sur 10? Oh, c'est une bonne note. Ok, bah, ok. Oui, et mais Sonic, j'ai une question. Ouais. Tu le pilotes comment, ton truc, là? Mais avec l'ordinateur. Seulement. Bah oui, t'es bête ou t'es bête? Bon, d'accord. Ah, ou alors avec ça, comme tu veux, t'as le choix. Ouais, avec ça, alors. Voilà, ok, voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, voilà. Okay. Bon, en tout cas, ils m'ont donné la note de 7 sur 10, voilà. Les amis, dites-moi dans les commentaires, vous me mettez la note de combien sur 10? Je lis tous les commentaires. Ensuite, on va enchaîner avec Billy. Voilà, j'avais d'enchaîner avec Billy. Ah, ok, ouais. Ah bah alors, viens, papa, regarde. Hop là, ok, waouh. Regarde ta belle forme. Waouh. Ok, bon, on voit bien que c'est un sous-marin. Oui, parce qu'il est dans l'eau. Et on rentre et regarde, par où, papa? Ah bah, on rentre par ici, papa, regarde. Ouh. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Ah, par ici, d'accord. Oui. Hop là. What? Bah oui, papa. C'est peut-être un sous-marin, mais il a coulé. Ah bon, c'est un sous-marin qui a coulé dans l'eau. Ah oui. Et ça, c'est qui, ça? Bah, je sais pas. Je sais pas. Ah, d'accord, ok. Oh, mais Billy, il n'y a plus d'eau. Bah oui, il y a tout ouvrant, papa. Ah, on l'a sorti de l'eau, papa. N'importe quoi, ok, waouh. Bon, écoute, tu sais quoi? Je vais te mettre la note de 7 sur 10. Non, tu vas me rajouter un point, regarde, papa. Viens, regarde. Par contre, Billy, je vais pas t'en rajouter un, je vais plutôt t'en enlever un, Billy. Voilà. Mais pourquoi? Parce que t'as utilisé World Digit à plusieurs reprises. Non, c'est pas vrai. Si. Du coup, je te mets la note de... Allez, on va dire 8 sur 10, moins 1, ça fait 7. Mais regarde, papa, il y a le détail, papa. Il y a le bing-bing, le sonar. Et regarde à l'intérieur, papa. À la télévision, on peut voir à l'extérieur et on le pilote avec une manette. Ah bon, d'accord, ok. Oui. Bon, n'empêche que ça te met quand même un point en moins et du coup ça te fait la note de 7 sur 10. Oui, wouhou. Voilà. Merci, du coup, les abonnés, dites dans les commentaires Billy, deux petits points avec sa note sur 10 dans les commentaires. Comme ça, c'est les abonnés qui jugeront. Et ensuite, oh, pour finir, on termine avec Sonic, qui lui aussi a utilisé World Digit. Du coup, voilà, ça lui fait un point rouge.
Ah hop oui. Là, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oula, c'est quoi ça? Oula, c'est quoi ça? Mais il est pas terminé, papa. Mais il est... Mais attends, mais il est clairement pas terminé son sous-marin là. Waouh. Bah il a coulé comme le mien. Bah pour le coup son sous-marin il a... Ouais, il a explosé sous l'eau. Bah écoute Sonic, je te mets la note de 3 sur 10 hein. Moins 1 ça fait 2. Voilà voilà, ça lui fait 2 sur 10 pour Sonic le pauvre. Oh. Ok bon, oh, entre nous, entre les 3, c'est lequel le meilleur sous-marin? C'est bah, le mien. Oh non, c'est bien. Regarde le mien, il est trop réaliste quand tu le vois de tous les côtés. Bah non, bah moi aussi. Bah bon. Non. Tu sais quoi, c'est les abonnés qui jugeront dans les commentaires le meilleur sous-marin. En tout cas, les amis, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, mets un like et abonne-toi à la chaîne YouTube. N'oublie pas de noter toutes les notes dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka, Sonic et Billy. Ciao les potes!